viens de monter dans le bateau. Le truc qui est super intéressant, c'est que dans le bateau, on peut voir de tout. Comme un mec qui porte une sacoche très bizarre à l'effigie de très bizarre. Il porte une montre, du coup, je me dis, une Rolex. Du coup, je me dis, soit mes 500 euros sont partis là-dedans, soit il fait partie de la police aussi. Enfin bref, il est juste là. Et sa sacoche, c'est Barbie. Donc là, je vais aller direction... je vais quitter un peu l'île parce qu'il va commencer à pleuvoir. Mais ici, la pluie, elle est assez forte. Hein. Et voilà, donc terminé l'île paradisiaque, bonjour la pluie. Donc voilà, donc là, je vais rentrer. Donc j'ai fait un petit zoom sur la petite sacoche Barbie. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans le speedboat? Donc il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Moi, j'ai pris toujours mon ticket, celui-là. Alors c'est ça un speedboat. Donc alors mon taux de survie est de 50%, mais on peut voir X Factor. Donc ça c'est le lot de consolation. Donc ici j'ai rencontré une personne de Koh Samui qui m'a dit que les speedboats, le taux de survie est très très faible, de jamais prendre un speedboat. Enfin bref, j'ai quand même pris un speedboat. Donc voilà, je vais regarder X Factor et je vais essayer de me trouver un emplacement stratégique.